Hey, mais on a changé d'habitation, on a Edgefield. Edgefield Road. Oh, Roide. Roide. On joue tous les deux du coup? Ben, elle est en train de dessiner. Je pas où le problème. De dessiner? Je peux faire les deux en même temps, c'est ça? Bah ouais, après c'est ça. Je dessine tout en jouant. Bah du coup t'as lancé, t'as même pas attendu qu'elle arrive. Non mais... De toute façon il faut que je lance Steam, je pense qu'il doit encore avoir une mise à jour. Non. Probablement. Ça fait depuis le 15 septembre qu'il n'y a rien eu. Mais feutre aquarellable. Aquarellable quoi? Aquarellable. Aquarellable. Quoi? Quoi? Qui, de quoi vous dites? De quoi vous parlez? Hein? Pour retrouver un jour, te tabasse toi. Tu tabasses rien du tout. C'est calmez-vous. Regardez, on est à Edgefield. Edgefield. Attends, mais c'est pas un réseau ça, le Edge? Sonore. Oh la vache, calmez-vous madame. Vous parlez super fort d'un coup. C'est assez aléatoire ça. C'est très aléatoire même. Ouais, elle est quasiment du même niveau que nous, Alec. Ah oui, effectivement, ouais. Du même niveau, tout à fait. Tout à fait. Vas-y, anonyme. Pourquoi tu mets pas ton vrai pseudo? Parce que je suis anonyme. On sait pas qui je suis. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit qu'il fallait être anonyme sur internet pour pas du coup attirer les gens bizarres. Je suis à peu près sûr que tu as attiré quand même des gens bizarres. Allez, raconte-nous tout. Est-ce que t'as eu affaire à un p... Non, pire, j'ai eu affaire à vous. Oh merde, on s'est pas connu sur internet, calmez-vous. Ah oui, c'est vrai. Merde. A. B. C. D. Ah, je croyais qu'on faisait une suite logique. Non, c'est pas ça. Pourquoi vous me regardez de travers comme ça, là? E. F. Z. Non, 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 non et non. La 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 la. I'm ready for this. Radio Kurt. Are you ready for this? Alors, détecter un son d'origine paranormale avec un micro parabolique, tu le feras. Prendre une photo d'identité, tu le feras. Faire en sorte que l'entité éteigne une lumière à feu, je le ferai. Super. Voilà, c'est parfait. Partage des tâches équitable. Allez, allumez le courant, s'il vous plaît. Pourquoi je voudrais allumer le courant? Déjà, je fais les pièces et ensuite on verra. Je vais y aller. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, y'a cru, mais sur la... Ah oui. Je crois trouver la pièce. C'est où? Je pense que c'est les toilettes là à côté de la cuisine. Les toilettes. Voilà, non. Il est mort en train de chier. Bah c'est des toilettes. Ah. 5-1. Arrêtez d'être tout allumé là, après je suis obligé d'éteindre. Close to battery. Ah, comme de la spirit box. Moi j'ai entendu une insulte, hein. Lost fuck you, un truc comme ça. Quand de temps il a dit close to you. Oui, c'est un feutre. C'est un très joli feutre. Oh, c'est un feutre avec un petit chat. Ça m'agne en tout pling. C'est pas un feutre en bas, c'est un stylo. C'est un stylo feutre avec un petit chat. Calmez-vous là, ça devient très bizarre. Un petit chat. Un petit chat. Comme un potiron. C'est comme un chat dans un pot. Un petit chat. Il y a ultraviolet. Ultraviolette et spirit box.
ça va. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Ah, ça. Un livre pour lire avant de vous endormir le soir. Exactement. Mais ça, je ferai quand j'aurai une bibliothèque. On dit pas bibliothèque? Bibliothèque. La bibliothèque. C'est mignon. Je vais le poser sur les chiottes. T'as bien crucifié ou pas? Pas du tout. Parfait. Ah, Dot. C'est un chantôme. Un chantôme. Un chantôme d'une taille, ma foi, assez intéressante. C'est trop dur. Ouais, le maître. Ah là. Non. Pas encore, hein. Je déteste les enfants. Je veux des chiottes comme ça. Avec des candélabres. Un chiotte où t'es genre. T'es en face du mur comme ça. C'est trop bizarre. Pourquoi? Si il fait comme ça, je sais pas, je trouve ça bizarre. Comment c'est. Tu préfères être en face de quoi? On va dire rien du tout. Un chiotte en plein milieu, j'aime pas. Moi je préfère qu'ils soient dans un coin. Ici. Je l'ai vu là. Le petit monstre. Ah, tu l'as vu? Vous cherchez des appareils photo, non? J'en ai un sur moi. J'en ai un sur moi, c'est moi, je suis l'appareilleur photographique. Calmez-vous là, j'essaie de choper le son du fantôme là, il a pas envie. Ah si, ça l'a fait, j'ai rien dit. Est-ce que t'as trouvé, t'as vu l'os quand t'as commencé à chercher? Est-ce que j'ai une tête de chien? Oui. Calmez-vous. Vous me posez des questions, je vous réponds. C'est très irrespectueux, monsieur. Vous posez des questions, je vous réponds. Je ne suis pas un chercheur d'os, je ne suis pas archéologue non plus. Ah, je crois qu'elle est pile poil où je suis. Saloperie. Ben vous savez quoi? J'ai pas trouvé l'os. Un jeu comme ça là où tu dois faire des trous là pour gagner un truc là. C'est un vieux jeu. C'est un peu comme les bingo et compagnie là. Ah, oh, je sais plus, non. Me regardez pas comme si j'étais une personne âgée, parce que c'est pas vrai. Calmez-vous. C'est pas vrai. Il y a un manque de respect total ce soir, je trouve. Hein. Comment ça, il y a un manque de respect total? C'est-à-dire? Je vais le trouver, le jeu, tu vas me dire, ah ouais, je connais. À la fête du village. À la fête du village, là, à Tourcoing. Regarde la gueule des nouveaux capteurs sonores là. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les nouveaux capteurs sonores que j'ai acheté là. C'est une antenne râteau, non? Je les ai eus sur le bon coin, pas cher là. Ah oui, en effet, là, dans cette pièce où on voit absolument rien du tout. Ouais. C'est comme dans un cul. Ah, c'est la pièce du fond, c'est ça? Ouais. Ouais. Ah oui, 3,7 effectivement. Je vous laisse. Ouais, ça va, je vais chercher le reste. Oui. Éteignez la lumière s'il vous plaît en sortant. Faudrait que tu sortes, Alec. NL Douto. Clairement, fermez la porte. Bah, elle est sortie quoi. C'est bon, il m'a parlé. Ah, il est timide. Je sais pas ce qu'il a dit, mais je lui ai posé la question, êtes-vous amical? Bah il a dit qu'il voulait faire une belote avec toi. Non, un tarot. Je sais pas moi. Ah ici, ultraviolet. Ah bah tiens, c'est bizarre, Spirit Box ultraviolet, ça faisait longtemps. Ça va être encore un chantôme. Ah, ça a écrit dans le livre. Ah. C'est un poltergeist. Putain, il a tout éteint. Ah, il faut aller chercher la lumière à feu et l'encens. Pour encensifier l'endroit. Allons-y, lumière à feu. Donc c'est un poltergeist. Poltergeist. Comme un portugais ou... Billy Guest. La 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 la. Attends. Il pourrait tellement vite aller dans le la la la
là. Oh. Oh, mais j'avais jamais vu qu'il y avait des trucs en haut là. Oui, il y a une mezzanine. C'est une cridiboule. Sachant que l'échelle est en haut. Bah, tu l'attrapes et tu la fais descendre. Bon, il faut sautiller pour aller choper le truc, mais. Oh, des pinces d'électrique. Excité. C'est bon, il a éteint la bouquille. Oui, on a tout fait. Bah, on peut y aller, hein. Voilà, une enquête. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. C'est bon. C'est une petite fille là encore. Regardez. Regardez ici là. Là devant moi là. Là ici là. Là où je suis. Là. Là ici. Mais je vois rien. C'est pas grave. Je l'ai pris en poteau. Non mais je te jure qu'il y avait rien. Mais il est pris en poteau. Ah, oui, t'es complètement fou. Tu vois des trucs qui n'existent pas. J'ai rempli le livre de poteau. Ton fantôme, on ne le voit pas. Donc c'est bien ce que je dis, tu inventes des choses. Allez, viens d'aider. Regardez, j'ai pris ça. Mais punaise, on va se faire encore attaquer en justice parce qu'on a volé des choses dans les maisons des gens. Mais non, personne n'a rien vu. Puis de toute façon, ils sont tellement contents qu'on dise qu'il y a un esprit dans leur fantôme. Un esprit dans leur fantôme. Alors... Attends, mais Alec, je comprends pas. Le volume, il est à fond. Et je t'entends pas. Il est, un peu aléatoire, son volume. C'est son micro qui est aléatoire. C'est elle qui est aléatoire. C'est une personne aléatoire. Oui, Alec est une personne aléatoire. Alectatoire. Alectatoire. T'as ce jaune dans l'évier. Ça veut tout dire. Attention, si ça intéresse les gens. C'est cool. Ça me fait... Ah ! Qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? En vrai, les gens, ils mettent des tasses partout, là. C'est... Sérieux, c'est quoi ces maisons dégueulasses ? Ça se passe comment, à l'étage ? Je souffle froid dans la chambre. Merde, là, là. Ça va aller. Bah, allume le chauffage. Ir ? Ça tire ? Ya. Yeah. Mais elle a encore pris une caméra sans prendre le trépied. Punaise de punaise. Patate. Madame, descendez de là, là. Avec vos chaussures en plus. Laissez-moi faire la spirit box. Allez, poussez-vous. Alors, allez. Saloperie de mi-c**le. Non mais je l'ai vu, il était derrière la porte, c'est un machin qui rampe là. MF5 Ultraviolet. Ultraviolet. Non mais encore. C'est la troisième quoi. Oh, on les fait toutes par trois en ce moment, c'est moi. C'est quoi? Sans preuve. Ah bah, on a fait Poltergeist, Fantôme, manque plus que le mimique hein. Manque plus que le mimique hein. Calme-toi. Mec. Quoi? Oui, on est là, nous, à notre fenêtre. On vous regarde. On vous observe. Calme-toi, t'es trop bizarre. Est-ce que tu vois des orbes à la télé? Je sais pas, mais ça m'a grave fait perdre de la santé mentale. Ça répond pas à la question. Quoi, qu'est-ce que ça? Est-ce que tu vois des orbes à la télé? Non, mais éteignez la lumière, bande de nouilles. Oui. Ok, c'est la musique. Ouais, prenez du sel, s'il vous plaît. C'est le sel de la vie, comme on dit. Tout est meilleur assaisonné. Putain, il a encore mis la musique. C'est toujours des musiques dégueulasses, hein, Jess. On dirait Disney, mais un Disney un peu flippant, là. Ouais. C'est bon. Je l'ai exorcisé. Pas sûr que ça fonctionne comme ça.
Arrête toute forme de bouger, tu vas éteindre le chandelier, on va croire que c'est le fantôme. Inténiable ces bougies. Elles font des trucs trop bizarres au plafond. Oh, regardez. Prenez-moi en photo, s'il vous plaît, merci. C'est fait, c'est fait. Avec vos magnifiques candélabres. J'aime bien marcher dans le sel. En fait, c'est tout dans le sel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, le petit candélabre, il est tombé. Je peux pas le poser. C'est sûr. Je voulais prendre la plante. C'est qui a ramené un ordinateur là? J'ai ça aussi. J'ai pris un portable. Et non, de voleur.